Troisième partie de votre magazine préféré, 24 heures en Alsace, en direct avec Mathieu Maps, l'homme des programmes du week-end. Je sens à ta mine que tu nous as concocté quelque chose d'exceptionnel. Je sens surtout à ma mine que je suis un peu malade et ça s'entend dans ma voix. Mais oui, pour ce week-end, il y a beaucoup de choses qui sont préparées. Et aussi même pour les semaines d'après d'ailleurs, Baptiste Cogitor qui est là et le co-réalisateur d'une série qu'on va diffuser à partir du 2 février prochain. Mais avant de parler tout ça, moi je vous propose un petit détour dans l'histoire comme tous les vendredis avec l'archiviste. C'est parti. Dès l'annexion, le service du travail, ou RAD, est rendu obligatoire pour les jeunes femmes alsaciennes et mosellanes âgées de 17 à 25 ans. Elles sont contraintes de prêter serment de fidélité au Führer, sous peine de lourdes sanctions. Prévues au départ pour 5 mois, ces services obligatoires se prolongent parfois au-delà d'un an. Dès le mois de novembre 1941, les jeunes filles de 17 ans sont ainsi envoyées dans les familles allemandes, les autres accomplissent leur service dans les fermes et les usines. Près de 15 000 jeunes femmes, les malgré elles, seront ainsi incorporées de force. Certaines y laisseront la vie. C'était entre 1941 et 1944, Pont du Marché, à Strasbourg. Ça fait froid dans le dos, mais que de poésie pour ce format adoré par Jean-Paul Rouve, le comédien, nous l'avait dit sur notre antenne. Alors présentez-nous le Globetrotter à nos côtés. Voilà, donc bonsoir Baptiste. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, vous êtes journaliste. En mai dernier, vous avez décidé avec Claire Auduit, votre comparse, à partir tous les deux à la découverte d'une Europe qu'on connaît assez peu, celle des pays de l'Est et de la myriade de minorités ethniques et culturelles qui la composent. Ça, c'était pour le résumé. Nos téléspectateurs et Lionel veulent des images. Eh bien, c'est parti pour une petite bande-annonce. En 2014, Claire Auduit et Baptiste Cogitor sont partis sur les routes européennes à bord de leur bully pour donner la parole à des minorités qui se battent pour la survie de leur mémoire. De Sarajevo à Vukova en passant par Kaunas en Lituanie, grâce à la série Bully Tour Europa, découvrez une autre Europe, celle dont on ne parle jamais. Alors, excellent. Ah ouais, vraiment. Alors Baptiste, comment vous est venue cette idée de faire un tour d'Europe en bully, en plus qui est un combi Volkswagen que Lionel connaît bien puisqu'il a passé des vacances. L'idée, c'était au départ, c'est Claire Auduit, donc auteur et metteur en scène de théâtre à la base, qui a eu cette idée de partir prendre le pouls, un peu prendre la tension des peuples qui constituent ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore parfois l'Europe de l'Est. Et au départ, on s'est dit, voilà, on est de Strasbourg, capitale dite européenne, mais finalement, ce sont quand même des régions qui peuvent paraître encore très étrangères, très étranges, très lointaines. Et donc, voilà, l'idée, c'était de partir au long cours, donc pendant 5 mois, traverser une vingtaine de pays, au total 16 000 kilomètres, à travers les Balkans, l'Europe centrale, et puis les confins du nord et de l'est, puisqu'on allait jusqu'en Estonie. D'accord. Et on est revenu avec notre combi. L'Ukraine, il y avait des conflits quand vous y étiez ? Ouais, oui, forcément, on est là. Hein. Ouais, on est arrivé en Ukraine en fait le 15 juillet. Ouais. Donc c'était au moment en fait où les forces loyalistes préparaient leur assaut sur Donetsk. Et nous en fait, on est resté quand même assez prudemment à l'ouest parce que notre combi n'était pas vraiment équipé et nous non plus dans nos formations respectives, on n'est pas formés aujourd'hui. Il valait mieux parce que là, ça tombait parfois un peu en panne aussi. Oui, et là, ouais. Ça c'est en Ukraine. On est effectivement, on nous a plus ou moins fait tomber en panne quand même, il faut le dire. Oui, il y a eu des moments où c'était pas chaud, mais disons légèrement un petit peu tendu quand même. Alors, grâce à cette aventure, Baptiste, vous avez récolté des prix, notamment du Parlement européen, je crois. Alors la suite, là, est-ce qu'il va y avoir une suite à cette aventure, après la diffusion de la série et du documentaire sur Alsacien, bien sûr? Alors oui, on a eu le prix du citoyen européen, donc ce sont des prix qui sont remis par des députés à des challengers, enfin voilà, qui ont mené des initiatives européennes. Donc des députés de chaque pays membre du Parlement européen, en fait, de chaque pays européen présentent des candidats et on est 5 à l'avoir reçu en France. Et je vais donc chercher ce prix mardi à Paris. Elle réponse, suite, voilà, pour la suite. Un travail qui est bien fait, quoi. Oui, c'est une reconnaissance. C'était important aussi que la classe politique européenne, ou en tout cas une partie
considèrent notre travail. On a eu des retours des députés, notamment d'Edouard Martin et d'Anne Sandor, qui ont présenté notre projet à ce prix et qui nous disaient c'est important. Pour nous, on n'a pas forcément le temps d'aller aussi près et partout dans l'Europe. C'est important pour nous d'avoir des retours du terrain. Donc c'est aussi à ça que servait un peu notre projet. Quand est-ce qu'on va voir ça ? Alors c'est à suivre à partir du 2 février sur l'antenne d'Alsace 20, aux alentours de 19h35. En tout cas, c'est dans 24 heures en Alsace. Donc ça, c'est le Bully Tour Europa. Et vous pourrez aussi retrouver un 52 minutes, mais ça, c'est plus tard. C'est pour le mois de mai, on en reparlera. Allez, un petit mot rapide basket. Évidemment, la SIG poursuit son parcours en Eurocup. Je vais essayer de ne pas l'écorcher contre Nymburk. Donc c'est mercredi 28 janvier en direct à 18h30 sur Alsace 20, c'est à ne pas manquer. Voilà, petite bande annonce, non, on n'a pas le temps de passer les images. Non. Voilà, ben on n'a pas le temps, donc ce qu'on va se dire c'est bon week-end à vous. Bully Tour, on va le passer comme une série. C'est-à-dire, on va quand même préciser que vous avez combien d'épisodes ? Il y a 5 épisodes. Il y a 5 épisodes, c'est du lundi au vendredi, du lundi 2 février au vendredi 6 février. Et donc il y a 5 épisodes et après, comme je l'ai dit, par la suite il y aura un documentaire encore qui fera 52 minutes et qui sera présenté sur l'antenne d'Alsace. Et ben j'attends de voir ça avec impatience, surtout que c'est moi qui ai le